Alors, on va continuer le tour d'horizon des méthodes sur nos tableaux. Alors, on avait vu comment supprimer des choses avec Shift ou avec Pop, donc le premier, le dernier. Maintenant, on va voir comment rajouter des choses. Alors, on va reprendre notre premier exemple. Alors, pour ne pas vous perturber, je vais enlever Tab 2. Voilà, on va juste s'occuper de Tab. Alors, là, si j'affiche ça. Yes, c'est ce qui est noté là. On affiche juste le tableau, donc avec trois éléments, 4, 5, 6. Voilà. Si vous avez des questions et si vous ne comprenez pas en fait ce code-là, je vous invite à revoir les vidéos, la vidéo notamment sur les tableaux et sur la première vidéo sur les méthodes. Alors, là, on va faire, pour ne pas vous perturber, on va recréer un truc. Non. Ça va le faire comme ça. Si on fait tab point unshift, donc là c'est du coup quand il y a un en anglais, du coup c'est le contraire, d'accord? Unshift, d'accord? Donc on va rajouter un élément. Bien sûr, pour rajouter un élément, il va falloir lui donner quel élément, d'accord? Et unshift, c'est pour rajouter un élément au début. D'accord? Rappelez-vous, Shift, c'était pour supprimer le premier élément. Unshift, c'est pour rajouter au premier élément. Donc, si par exemple, je rajoute 1, d'accord? Et que je raffiche le tableau, j'ai bien 1 qui s'est rajouté en tout premier. D'accord? La même chose, vous vous doutez bien. Du coup, on aurait pu faire un pop, mais du coup, c'est pas ça. Ils ont fait push. Push. Et là, par exemple, je vais laisser 1 et vous allez voir que le 1, au lieu d'être ici, va se transformer et va aller derrière. Voilà. Donc, on a 4, 5, 6, 1. Donc, on a notre tableau plus le 1 qui a été rajouté. Donc, unshift. C'est pour rajouter un élément à l'indice 0. Et push, c'est pour rajouter un élément à la dernière position. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut aussi récupérer une partie de tableau et en faire un autre. Par exemple, je vais vous montrer. Je vais agrandir un petit peu cet exemple. 6, 8, 9. Et je vais supprimer ça. Je veux par exemple créer un tableau avec 7, 8, 9. Donc je fais let tab 2 par exemple est égal à tab.slice. OK. Et là du coup, je vais lui mettre des paramètres. Le premier paramètre, c'est l'indice auquel on veut commencer, en fait, on veut récupérer. Le premier indice qu'on veut récupérer. Donc là, je vous rappelle, c'est 0, 1, 2, 3. Donc nous, on veut commencer à partir du 3. Et on va lui en mettre un deuxième. Du coup, c'est le dernier indice, donc c'est le dernier indice, mais attention, il est exclu. Alors je vais vous montrer pourquoi. On va voir ensemble. Je vais faire exprès de me tromper et puis comme ça on va voir ensemble. Donc si je veux par exemple 9, je pourrais penser en faisant 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je mets 5 ici, ça va fonctionner. Donc là je vais pas afficher tab, mais je vais afficher tab 2. Et là, il y a un petit souci. J'ai bien mon 7, j'ai bien mon 8, mais j'ai pas mon 9. Tout simplement parce que cette valeur-là, elle est exclue. OK? Alors, je sais, c'est un peu perturbant. Surtout qu'il y a des fois, il y a des méthodes où c'est exclu, inclus, machin. C'est pas facile, faut juste le savoir. Au pire, vous faites un test et puis vous voyez que là, il y a un souci. Donc, il suffit de rajouter 6. Voilà, donc 7, 8, 9. Après, je vais vous donner une autre petite technique.
Si vous voulez, je sais pas moi, commencer, vous voulez prendre la moitié du tableau et vous êtes sûr que ça va aller jusqu'à la fin du tableau. Au lieu de vous amuser à compter, ben vous faites tout simplement tab.length. Et rappelez-vous, comme il y a 6 éléments, d'accord, ça va forcément donner le chiffre 6. Ça donne exactement le même résultat. Sauf qu'à la différence, alors je vais revenir en arrière, si je fais ça et que je rajoute un élément, là, si je veux le 10, par exemple, il va falloir que je m'amuse encore à compter. Parce que là, si je fais ça, j'ai 7, 8, 9, mais j'ai pas le 10. Que avec tab.length, je l'ai obligatoirement. Et là, je n'ai plus besoin de modifier ce code-là. Je peux rajouter des valeurs comme je veux. OK? J'aurai toujours les éléments. OK? Donc ça, pensez à utiliser des propriétés comme ça et des variables, simplement parce que c'est plus simple de modifier une fois son code et pas de chercher, alors, à quel endroit j'ai besoin de modifier pour que ça fonctionne. Voilà. Essayez de faire en sorte d'avoir soit des variables, soit des propriétés comme ça qui se changent automatiquement. Ça va vous éviter d'avoir des erreurs. Donc, ça c'était pour la troisième et je vous ai dit qu'on en voyait quatre. Alors, on va en voir une dernière. Alors, attention, la dernière, elle n'est pas si simple que ça. D'accord? Alors, pourquoi elle n'est pas si simple? Parce qu'on va pouvoir utiliser plusieurs choses. Alors, je vais supprimer ça et je vais réduire le tableau pour ne pas vous perturber. Alors, la dernière, c'est splice. Je sais. Bah, je vais vous l'écrire, ça va être beaucoup plus simple. D'erreur. Hop. Alors, elle peut faire plein de choses, celle-là. C'est là où c'est cool. La première chose, elle peut du coup enlever et garder en mémoire du coup un tableau. D'accord? Donc si par exemple, là je vais enlever le 6, donc le premier paramètre, il faut que je dise à quel endroit il est, à quel index il est. Donc 0, 1, 2. Donc je mets 2, virgule, et je vais en enlever combien? Je vais en enlever 1. OK? Donc là, si je raffiche tab, j'ai bien 4 et 5. J'en ai enlevé. Alors, là, vous allez me dire, oui, si c'est pour enlever 6, on avait vu qu'il y avait push, du coup, il permettait, pas push, pop, pardon, pop, qui permettait de le faire, d'enlever le dernier élément. Tout à fait. Maintenant, imaginons que je veux enlever le 5, celui du milieu. Et bien, tout simplement, il a un indice 1 et j'en enlève 1. J'ai bien enlevé le 5, j'ai le 4 et le 6. D'accord? Si je mets ça dans une variable, et que j'affiche, j'ai un tableau avec l'élément retiré. OK? Alors, on peut s'en servir pour enlever des éléments, mais on peut aussi s'en servir pour remettre des éléments. Et puis je vais vous montrer encore une autre chose. Non, je vais continuer avec le fait d'enlever les éléments. Alors là, je vais remettre le tableau un peu plus grand. 7, 8, 9. Voilà. Alors on va dire que je veux enlever 6, 7, 8. Juste 6, 7, 8. Je vais garder le 4, le 5 et le 9. Comment on peut faire? Bah, tout simplement, on va mettre l'index du début de ce qu'on va enlever.
Donc là, c'est le 6. Le premier que je vais enlever, c'est le 6. Donc 0, 1, 2. Je vais mettre 2. Combien d'éléments je vais enlever? 1, 2, 3. J'enlève 3. D'accord? Donc là, je vais mettre ça en commentaire pour pas vous perturber. Et j'ai bien mon tableau 4, 5, 6. Si j'enlève les commentaires ici, j'ai bien un deuxième tableau avec 6, 7, 8, qui correspond à table 2 puisque c'est ça. OK? Alors, là où je vais vous montrer quelque chose, hop. Alors, je vais faire exprès de mettre autre chose que des chiffres, comme ça vous allez voir que ça va être très clair. Si je mets Fabien. Donc ça, on a vu qu'on pouvait très bien mettre une chaîne de caractères, un string, du coup, dans un tableau où il n'y a que des nombres. Ça, il n'y a aucun souci. En JavaScript, c'est possible. Cette méthode-là, elle peut enlever, mais elle peut aussi rajouter. Alors, comment on fait pour rajouter, du coup? Eh bien, on va lui donner un autre paramètre. D'accord? Donc, là, je vais lui donner à quelle position on va mettre. D'accord? Donc, par exemple, je vais le mettre entre le 6 et le 7. D'accord? Donc, je prends 0, 1, 2. D'accord? Virgule. Au lieu de mettre 1, parce que si je mets 1, en fait, ça va supprimer. Non, je ne veux pas supprimer. Je veux rajouter. Donc, je vais mettre 0. Virgule, j'enregistre, et là j'ai bien, alors je me suis trompé, 0, 1, 2, ah oui, c'est 2, c'est inclus, ici, voilà. Donc j'ai bien Fabien après le 6, d'accord? J'ai rajouté avec le 0. Maintenant, donc 0, 1, 2, 3, c'est le 7, je veux le remplacer. Je vais mettre 1. Et là, vous allez voir que le 7 va disparaître et va être remplacé par Fabien. 4, 5, 6, Fabien, 8, 9. Donc, on peut, avec slice, slips, du coup, enlever, rajouter des éléments ou remplacer des éléments. Donc une fois que cette méthode-là, on la connaît bien, elle est vraiment ultra puissante parce qu'on peut pratiquement tout faire juste avec celle-là. Il suffit juste de savoir comment s'en servir. Donc voilà, donc c'était tout pour ces quatre méthodes. Je vous dis à bientôt pour du coup une prochaine vidéo où on va en voir quatre autres. Je vous dis à bientôt, ciao ciao!